Bref. Merde, l'anniversaire de Julie et Benoît. Faut qu'on fasse le film. Benoît et Julie, c'est eux. Ils sont rigolos. Je pense que vous les connaissez. Bref, il va falloir qu'on fasse un film. T'as du temps pour faire un film? Oui, c'est bon. Bah oui, là, j'ai pas grand-chose à faire. C'est bon. Non, c'est bon, j'ai du temps. Céline est arrivée, on a relu l'invitation, regardé les photos, elles étaient chouettes. On s'est marré, mais on n'avait toujours pas commencé. On a regardé d'autres photos pour s'inspirer, ça nous a rappelé des souvenirs, on s'est marré. Il nous manquait des photos. On a demandé à Chloé, la sœur de Julie, de nous en renvoyer d'autres. On les a reçues, on les a regardées, on s'est encore marré, mais toujours pas de film. On a commencé à écrire, à réfléchir, à se demander s'il fallait commencer par l'enfance, l'adolescence, le musicien, le chanteur, les chevaux, leurs rencontres, leur bonheur, leur projet, la famille, les amis. On a commencé à tourner, mais Céline est repartie. Elle est revenue avec des vêtements de couleur pour faire plaisir à Marilyn. On était prêts, prêts à tourner, quand... Un coup de fil. Allô ? Salut Jean-Pierre, ça va ? Ah, t'es bloqué ? Oui, tu veux transférer des photos de ton appareil à l'ordinateur. Normalement, c'est facile. Alors, t'as quoi là ? Bah déjà, il faut que tu raccordes ici ton cordon d'alimentation. Tu peux voir tes photos. Pas de panique. Je crois que Jean-Pierre, il a abandonné. D'accord. On peut tourner ? Ok. On a enfin posé la caméra sur le pied et ma sœur m'a dit « Christophe, il va falloir que je parte, là il est tard et je bosse demain. Hein ? On remet ça à plus tard ?» Bref, on n'a pas fait de film. Pour obtenir tous ces clichés, il a fallu l'implication de nombreux complices.